Le 19 août dernier, nos confrères du Parisien révélaient qu'Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard avaient été évincés de l'émission de Chiffres et des Lettres, dans laquelle ils faisaient office de juge depuis respectivement 36 et 47 ans. Dans un communiqué transmis à l'AFP quelques jours après, ils n'avaient pas manqué de faire part de leur colère. Les deux animateurs avaient ainsi assuré avoir été contraints et forcés de rendre leur tablier. Nous avions choisi de ne pas répondre aux sollicitations des journalistes, pour digérer cette situation d'une rare violence, avait-il ainsi expliqué le cœur lourd. Malgré cette terrible décision, Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard gardent tout de même de très bons souvenirs de leur passage dans le jeu culte de France 3. Dans un entretien accordé à Libération ce mercredi 19 octobre, ils ont en effet confié qu'ils considéraient ces années comme un bonheur et une chance. Même si avec les présentateurs, les deux complices ont connu des fortunes diverses. Cet animateur qui n'a pas laissé le meilleur souvenir aux deux anciens juges entre 1972 et 1989, l'émission des Chiffres et des Lettres a été animée par Patrice Lafont avec qui ça s'est très bien passé. Ce dernier n'hésitait jamais à tenter des blagues qui pouvaient parfois ulcérer les fans les plus ardents du programme. Après avoir vu le film de Patrice Lecomte, Tandem, il a finalement décidé de quitter le jeu. Je me suis vu finir à faire des animations de supermarché, a-t-il un jour avoué. Patrice Lafont a ensuite été remplacé par Max Meynier, aujourd'hui décédé. L'animateur a notamment connu le succès avec l'émission de radio Les Routiers sont sympas ainsi que Le Juste Prix sur TF1. Mais avec Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard, l'alchimie ne se fait pas sentir. Sans s'épancher trop sur le sujet, Libération indique que l'animateur qui a officié entre 1991 et 1992 n'a pas laissé le meilleur souvenir. Le 29 janvier 2016, dans l'émission Derrière le poste sur D8, les deux anciens juges avaient évoqué cette période l'estimant horrible. Ariel et Bertrand avaient notamment confié que selon eux Max Meynier se la jouait perso et oubliait ses co-animateurs. Ce dernier a finalement été remplacé par Laurent Romejko, qui a repris avec brio la relève et créa une véritable complicité avec Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard.